En colère depuis plusieurs semaines, les greffiers du tribunal de grande instance de Tours restent mobilisés comme ceux d'autres juridictions en France, notamment celle de Blois. Nouvelle manifestation cet après-midi, la deuxième en moins d'une semaine sur les marches du palais de justice contre les projets de réforme voulus par Christiane Taubira. Ils reprochent à la garde des Sceaux de vouloir élargir leur domaine de compétences sans pour autant revaloriser leur statut qui est le même depuis 2003. Plus globalement, la situation est plutôt tendue actuellement au tribunal de Tours. Les audiences des affaires familiales sont par exemple reportées en septembre par manque d'effectifs. Il manquerait 4 magistrats pour faire fonctionner la justice normalement, d'après l'ordre des avocats qui dénoncent cette situation. Écoutez ce qu'en pense le procureur de la République de Tours, Jean-Luc Bec, était notre invité vendredi dernier. Je confirme qu'il manque 4 magistrats et demi. Ce n'est pas forcément des postes vacants. C'est des magistrats indisponibles, parce que là-dedans, il y a congé maternité, il peut y avoir congé maladie, mais il y a effectivement actuellement un déficit de magistrats du siège, puisque je suis mieux placé que les autres, puisqu'au parquet, nous sommes complets. Il y a un déficit de magistrats au siège qui est cruel, c'est clair, et qui est doublé d'un déficit de fonctionnaires également.